dette, tu disais, parce que on va de dette en dette, il y a toujours des dettes. Ce que je trouve intéressant dans le cinéma, et qui ne doit ça aussi, c'est comme les enfants, c'est les dettes. Qui est, dès le départ, il y a l'idée de la dette qui n'est pas, je crois, enfin, qui est ouvert, franc, parce que le type est le vrai producteur est quand même une image du juif d'Europe centrale. C'est là que c'est eux qui ont inventé le cinéma. Ils l'ont apporté en Californie. C'est eux qui l'ont inventé. Que dans le cinéma, pour moi, ce qui le sépare beaucoup des autres gens, c'est que l'argent fait partie de l'histoire inventée, du scénario, si on peut dire, ou du film, et que le film fait partie de l'argent, mais alors, comme une mère, comme mère-enfant, ou père-fille, ouais, comme ça, c'est pas... Et qu'on est producteur. Faire un film, c'est être visiblement producteur de dettes. Le premier que j'ai vu, qui m'a intéressé là-dessus et que je me suis remis des fois à lire, c'est les écrits dits économiques de Georges Bataille, par exemple. Par exemple, La part maudite. Le cinéma, c'est la part maudite, je trouve, c'est la part maudite de l'art par rapport à d'autres, parce qu'il y a cette question-là d'argent qui intervient dès le départ. Il faut se couvrir de dettes dès le départ. Mais tu disais que ça habitait jusqu'à ton corps. Et que moi, maintenant, ça l'habite jusqu'à mon corps. Ce qui fait que, effectivement, quand je me fais insulter par Depardieu, il m'insulte parce que j'ai toujours un carnet de chèques avec moi. Qu'est-ce qu'il te dit? Hein? Qu'est-ce qu'il t'insulte? Ah, il pense avec un carnet de chèques, je dis, mais... Il te dit ça? Oui. Il a dit ça à qui? À toi? Non, il te... Non, à moi, oui. Ah, il te dit. Enfin, tu penses avec un carnet de chèques? Il dit, mais Godard, je ne ferai jamais de film avec lui. Il pense avec un carnet de chèques. Et moi je dis, mais je ne vois pas comment on peut, à toi je peux dire, mais je ne vois pas comment on peut penser autrement. À lui je dis, ben, je suis bien forcé. Et il s'appelle Depardieu.